Hey team, ça fait tellement plaisir de te retrouver. Alors comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Ça va, c'est pas fou quoi. T'inquiète, on va se mettre bien ensemble. Vous pouvez admirer ces magnifiques et majestueuses ruines de l'abbaye Saint-Bertin. Bienvenue à Saint-Omer. T'as vu ce décor? C'est beau, hein? Et ce soleil? C'est beau, hein? Eh ben non, t'as cru qu'on était dans le sud ou quoi? Voilà, ça c'est un vrai temps du Nord. Un seul nuage qui recouvre tout le ciel. Et surtout, une température idéale pour faire du sport. Ça fait plaisir. Bon, du coup, on va tricher un peu hein, sur les couleurs pour dire de raviver un peu la bonne humeur. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mais on n'a pas le choix, on veut de la joie. Il faut retoucher un peu. Aujourd'hui, cardio et renfo associés. Avec une opportunité de mettre plus d'intensité que la fois précédente. L'opportunité, me direz-vous. Mais oui, l'opportunité de progresser plus vite, de se rapprocher plus rapidement de ses objectifs, de se construire un mental à toute épreuve. Mais aussi l'opportunité de se sentir bien, plein d'énergie et en pleine confiance pour attaquer la journée du bon pied. Je vous présente trois options de difficulté. Alors, le gars de droite, c'est l'option raisonnable, accessible à tous. L'option centrale, bon, il faut déjà se pousser un peu pour le suivre. N'hésitez pas à alterner entre le gars du centre et le gars de droite. Maintenant, il reste l'option challenge. L'option challenge, vous la retrouverez complètement à gauche. Au programme, un échauffement rapide, un entraînement de presque 10 minutes, à peu près. 9 minutes et 30 secondes. Bah, 10 minutes quoi. Et enfin, un petit stretching pour apaiser les muscles. Alors, à vos baskets, indispensables aujourd'hui, au moins pour les options centrales et de gauche, car il y aura des impacts. Préparez un tapis ou pas de tapis, mais dans ce cas-là, il faut faire les pompes sur les pieds. Dans le doute, prévois un tapis. La bouteille d'eau est prête. Maintenant, c'est à toi de jouer. Allez, je passe en mode commentateur sportif pour vous faire vivre l'expérience fitness la plus incroyable de votre vie. Ah, faut que je fasse pipi. Tu m'attends ou pas? 2 secondes. Pas pour longtemps. Allez, c'est bon. Ah, on va pouvoir y aller. Ouh. Oh, qu'ils sont beaux tous les trois. Ah, ça fait plaisir de se regarder comme ça et de rien avoir à faire. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va continuer en step out. Alors pendant ce step out ici, venez enrouler l'épaule. On échauffe les épaules. Super. On va simplement continuer en squat. Descendre en 4 temps. Et remonter en 4 temps. En 2 temps maintenant. Descends, descends, remonte, remonte. Vous voyez, il y a une différence d'amplitude entre le mec de droite et le mec de gauche. Ouais, choisissez votre amplitude. Et accélérez maintenant. Allez, c'est parti, en single. Pensez à allonger les bras devant. On active le bas du corps et le haut du corps. Magnifique. Attention ici, bloc en bas. Allez, on tient, 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 on tient. Choisissez comme toujours votre amplitude. Maintenez statique. On va pas en rester là. On va aller plus loin. Ça va chauffer dans les quadriceps. Maintenant, des petits. Ah, je sais ce que ça fait. Je l'ai fait 3 fois. Ça pique, hein? Ok, c'est bon. Revenez debout. Revenez sur des step-ups. Étirez l'épaule gauche. Étirez l'épaule droite. Marchez sur place. Activez les bras, activez les jambes. Allez, en douceur ici, reprenez. Soit je lève les genoux un peu plus, comme le mec de droite, soit je viens courir tranquillement, comme le mec de gauche.
Vous pouvez intensifier cette course simplement en rapprochant les pieds un peu plus proche des fessiers. Si vous pouvez les rapprocher à hauteur des genoux, allez-y. Ne cherchez pas à aller plus haut pour l'instant, c'est l'échauffement. Essayez de marquer la course avec les pieds écartés. Option, restez au sol sans impact et venez simplement sur les talons-fesses. Stop. Yes. Levez les bras. Repoussez les deux mains vers le haut. Inspirez bien fort. Expirez ensuite. Éloignez les deux mains devant en gardant le dos plat. Et relâchez complètement. Pas mal. Déroulez tout doucement le dos. Et on va pouvoir attaquer notre entraînement. Ah, une musique un peu plus énervée déjà. Ça fait plaisir. On va commencer sur les steps. Touch. Ça fait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et soit je reste sur ça et je marque une flexion plus importante, soit je marque le saut et je descends. Nouveau mouvement. Simplement talon fesse, kick, talon fesse, kick, du même côté. Change de côté. Fléchis, allonge, fléchis, allonge, fléchis, allonge. On poursuit. Option 1, en squat. Option 2, squat jack. À présent, les genoux rapides. Peu importe, ici, la vitesse reste la même. On est toujours rapide. On reprend le premier mouvement. Un saut sur le côté. Et je descends, ou un step touch. Talon fesse, kick. Talon fesse, kick. Allez. Il y a une dame qui vient d'apparaître. Elle est dingue. Squat. Jack. Ou squat. Sans impact. Est-ce qu'on peut intensifier maintenant? Le mec est dingue. Le mec est dingue à gauche, regarde. Je crois qu'il se donne à fond. Bon, faut que je vous confie un truc. Le mec de gauche, il avait fait les cours deux fois juste avant. Donc il est un petit peu fatigué et il se donne à fond. Donc si à un moment donné, il a l'air mort. Et ben en fait, il est mort. Tout simplement. Il est vraiment mort. Ça se voit pas trop encore, hein. Voilà, tout est dans l'amplitude. Plus ou moins d'amplitude, ça change vraiment tout. Ce qui est intéressant sur cet entraînement, regardez, c'est que vous pouvez vraiment adapter l'entraînement à vos capacités. Allez mon gars. Ah, la musique elle s'énerve, ça j'aime bien ça. Ça te donne envie de te pousser plus, hein. Fléchis, allons. Marque un saut plus ou moins haut. Soit pas de saut, soit un saut plus ou moins haut. 3, 2, 1, boum. Allez, donne tout mon gars, on n'a pas de limite. Enfin si, on s'arrache mais on se fait pas mal, ok. Squat, centre, squat, centre, squat, centre. Allez, j'ai les genoux rapides. On pense à gainer les abdos au maximum. On n'oublie pas les bras, pas juste les jambes. Allez, les bras aussi, hein. On veut les voir. Eh, super. 4, 3, 2, 1, stop mon gars. Bien joué. Allez, on va poursuivre ici sur des pompes. Descendez en 4 temps. 3 options. Option de droite, les genoux sont sous les hanches. Option du centre, on aligne le buste avec les cuisses. Option de gauche, les pieds sont au sol. Les mains sont au sol. En deux vers le bas, en deux vers le haut. Et on tourne. Tournez par ici.
et revenez face au sol. Tournez de l'autre côté et revenez au sol. Soit je tourne complètement, soit je lève simplement le bras. Choisissez l'option et ensuite on va faire les pompes single. En bas, en haut, en bas, en haut. Mouvement 2. Tournez, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On tourne d'un seul bloc. Les épaules et les hanches tournent en même temps. Excellent, les deux mouvements maintenant. Pompez, tournez, pompez, tournez, encore. 4, 3, 2, stop. Ok. Top départ. Dips. Option 1. En 2, descend et remonte. Et c'est ça fait. Deux pompes. Et ensuite, je lève les pieds. Et je repose. Une fois. Deux fois. On engage les triceps. Vous pouvez aussi tenter les 4 dips. Comment tu donnes? Dingue! Quel punch! Quel charisme quand tu bouges! C'est impressionnant! Allez, on part du bas. On pousse. 4, 3, 2, 1. Fléchis les jambes, allonge. Fléchis les jambes, allonge. Ok, stop. On va pouvoir revenir debout à présent. Allez, on va relancer le cardio après cette petite pause du cœur. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Commence tranquille. Et ensuite on va s'énerver. Step touch. Et on est reparti. Allons, pas de pause. Pas de pause. Adapte ton option. Mais ne t'arrête pas. Tu es plus fort que ce que tu crois. C'est le moment de te le prouver, mon gars. Change de jambe. Gire stégné. Regardez loin devant. Et on change, squat, squat jack ou squat simple. Ah oui, j'adore cette détermination, ça fait plaisir à voir. Les genoux rapides, allez, 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 allez. Allez, on y va ensemble, on s'entraîne ensemble. Est-ce qu'on peut sauter plus loin hein? Talonflex kick, talonflex kick. On contrôle chaque mouvement. On change. Boum. Boum. Super. On a des ressorts dans les jambes. Est-ce qu'on va pouvoir intensifier? Intensifier maintenant. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Oui. Genoux, boum. On veut la vitesse, on veut la hauteur. Est-ce qu'on peut encore mettre de la hauteur? Encore un peu, encore un peu. Et je saute, et je saute, comme une biche, et je saute. Oh la dame, elle a disparu. Je pense qu'il y a des fantômes dans les ruines. C'est carrément flippant. Alors on y va jusqu'au bout, on est deux terminés. Allez, donnez tout ce qu'il vous reste, il reste vraiment plus grand chose. Disparition. Disparition. Ouh. Apparition. Disparition. Je pense qu'il va s'énerver le gars. Yes. Yes, yes. Ah, j'aime voir ça.
Eh, change. Boum. Ouais, je te sens motivé là. Allez, on y va ensemble, on y va, on y va, on y va. J'aime te voir à l'œuvre comme ça. Ça, c'est beau. Ouais, je sais que tu peux descendre encore un tout petit peu. Un tout petit peu. Je sais que tu peux aller aussi vite que le rythme. Accélère sur le rythme. 4, 3, 2. Ouais. Quelle prestation. Impressionnant. Impressionnant. Le mec est mort, je vous l'ai dit, hein. Le gars est mort. J'avais pas mangé depuis la veille, j'étais au bout de ma life. On repousse avec les avant-bras, les cuisses vers l'extérieur. Repoussez vos genoux vers l'extérieur. On va poursuivre avec un étirement des fessiers. Venez au sol, posez votre genou droit. Venez attraper avec la main gauche la jambe. Et utilisez le bras pour pousser le genou vers l'extérieur. Punaise, mais dégage-toi. Dégage. Et vous allez pouvoir sentir un petit étirement au niveau du fessier. La même chose de l'autre côté. On vient attraper la jambe ou la cheville. Et on pousse avec l'avant-bras et le coude. On étire le quadriceps maintenant. Grandissez-vous. On va ouvrir la poitrine. On va étirer la poitrine en même temps que le quadriceps. Comme ça, on fait une pierre de coups. De Coubertin. De Coubertin. Saint-Bertin. Coubertin. N'importe quoi. Attrapez l'autre jambe. Et il ne nous reste plus grand chose, hein. Levez les bras, grandissez-vous, détachez les mains, poussez les deux mains vers l'avant et venez allonger le dos, puis ensuite relâchez le dos. Étirez l'arrière des cuisses, ressentez bien l'étirement sur l'arrière des cuisses, restez tranquille ici, puis déroulez le dos comme pour le départ. Et nous voilà à la fin de l'entraînement. Applaudissez-vous. Vous avez été terrible. Comment on sent après ça? Bien, non? Une bonne douche, un bon petit déj pour la récup. Et on peut commencer cette journée plus rayonnant que jamais. J'espère que ça t'a fait plaisir autant que moi. Ça m'a fait plaisir de construire ce cours. Et je te dis à mardi prochain, 7h du matin. Je serai présent. On lâche rien. Je te ferai peut-être découvrir un autre monument. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un monument, hein. Mais t'as vu, il y a des fantômes. C'est complètement dingue. Des fantômes et des morts vivants. Tu n'en croyais pas tes yeux. J'arrive pas à vous dire au revoir. Vous êtes tellement attachants. Bon, allez, je me tais. Bye. Bisous. Bah t'es encore là toi? Ok, on va jouer à un jeu. Shifumi. Prêt? Shifumi. Je te vois, comment t'es en forme? Bravo. Voilà, je suis pas mauvais joueur. Haha, ouais, c'est ça. Source. La feuille se... dépose sur le pouce bleu. La pierre défonce le pouce bleu. Les ciseaux entaillent le pouce bleu. Je te laisse en faire ce que tu veux de ce pouce bleu. Il est là, juste en bas. Là, en bas, là, là.